Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Rusinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, eh bien écoute, ça va plutôt bien, il faut dire, hein. On a passé de bonnes vacances, on a bien profité, on a eu du soleil, on a eu du beau temps, on a eu même de fortes chaleurs, faut dire ce qui est, à tel point qu'un de nos appareils a eu un peu de mal et a dû être porté en réparation à cause des chaleurs. Et puis pour mes vacances, ça s'est bien passé. J'ai été jusqu'en Suisse et puis j'ai profité. Voilà, en 3 semaines, on va dire, c'était plutôt du dépaysement. Comment se passe cette rentrée pour toi, cette rentrée de septembre ? Bah écoute, concernant la rentrée, ça va, hein, la reprise s'est plutôt bien passée, on a une nouvelle alternante qui est chez nous et avec qui on travaille ardemment pour essayer de vous apporter du contenu, on fait beaucoup de communication sur les réseaux mais aussi d'autres manières, donc vous aurez l'occasion de le voir. Et puis sinon, bah écoute, le temps est toujours clément, j'ai envie de dire, même s'il fait un petit peu plus frais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, il faut commencer à se couvrir parce que je vois qu'il y a beaucoup de cas de grippe, etc., qui sont en train de tourner en ce moment. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a différents virus. Donc, ouais, on sent que le temps se rafraîchit un peu. C'est pas la même chose que l'été. Hein. Alors, c'est vrai que l'été nous a quittés. Et vient maintenant le mois de septembre avec l'automne, depuis le 21 septembre. Et nous sentons quelque part le froid qui arrive avec cette transformation magique de la nature. Ça, c'est vrai que le froid, on le sent bien. La transformation magique, je pense qu'elle va commencer bientôt à opérer. Je préférais quand même avoir un peu l'automne version été indien, comme au Canada, avec des arbres de toutes les couleurs. Ça, c'est pas trop ça chez nous, mais bon, on verra bien. On verra bien comment ça va évoluer. Pour ce qui est de toi, hein, comment tu vas ? Eh bien, écoute, moi, je vais très bien. J'ai passé un très bel été. Vraiment un été ressourçant et je suis heureuse de rentrer, de reprendre toutes nos activités et également de pouvoir partager de nouveau la poésie sur Radio La Sentinelle. D'ailleurs, on vous souhaite la bienvenue, hein, que vous nous écoutiez sur le 97.9 ou depuis Internet. Alors dis-moi, de quoi il va être question exactement aujourd'hui ? Alors notre thème d'aujourd'hui et la Renaissance. Ah, intéressant. Alors, quelle est ta définition, Camille, de la Renaissance ? Alors, la Renaissance, bah déjà, quand tu me dis ça directement, moi, je pense direct à la période de la Renaissance. C'était une période un peu particulière avec tous ces châteaux, le faste, etc. L'opulence aussi, je crois, à cette époque-là. C'était quelque chose d'un peu particulier. Et au final, ça va un petit peu avec le thème de la Renaissance, entre guillemets, dans le sens où... quand quelque chose renaît, j'ai presque envie de dire qu'il reprend des couleurs, et voilà, il reprend des forces, il reprend quelque chose de... Voilà, donc la Renaissance dans ce sens-là, ça me fait penser un petit peu au phénix. Celui qui renaît de ses cendres, hein, comme vous savez, la mythologie concernant le phénix. Voilà, celui-ci retombe en cendres et puis au bout d'un moment, bah, il renaît de ses cendres. Ça fait un peu ça. Il y a peut-être des périodes justement où tout va mal, rien ne va, on a presque envie de plus être là. Et puis arrive un beau jour où on reprend le dessus et où on reprend vie en quelque sorte. C'est un petit peu ça, renaître. Bon, y a plusieurs définitions. Moi, étant chrétien aussi, je peux le dire, hein, on a cette vision de naître de nouveau. Ça peut paraître bizarre, parce que c'est vrai qu'on ne naît qu'une fois en tant qu'être humain, mais par l'esprit, entre guillemets, eh bien, on peut vivre une vie nouvelle. Certaines personnes, d'ailleurs, posent parfois la question pourquoi le baptême ? En fait, le baptême, c'est une image particulière où, logiquement, donc, quand on fait le baptême, on est mis sous l'eau, comme Jésus. Donc, c'est-à-dire qu'on est enseveli, entre guillemets, comme lui au tombeau quand il est mort. Et en fait, on ressort de l'eau et c'est comme si on ressuscitait. C'est une image, hein, c'est une image.
Mais en gros, voilà ce que signifie le baptême, c'est-à-dire mourir à soi-même, faire mourir le moi pour vivre une vie tournée vers Dieu, dirigée par lui, etc. Donc voilà, en gros, naître de nouveau, pour moi, ça veut signifier beaucoup de choses. Renaître, comme tu dis, renaissance. Et puis comme on parle des saisons, forcément, là on est en automne, alors c'est un peu difficile de parler de renaissance quand on parle de l'automne, parce qu'au contraire, là ça va être le début où tout va, entre guillemets, dépérir, si je puis dire. Les feuilles vont tomber petit à petit, on va finir par avoir des arbres complètement nus jusqu'à l'hiver, et c'est vraiment au printemps, quand le soleil va revenir et que les bourgeons vont éclore, on va voir une forme de renaissance, hein. Et puis si je dois aller encore plus loin, tu m'as lancé dans le sujet, je pense aussi au jardin, parce que nous on a un jardin, donc on plante beaucoup de semences, etc. Et forcément, une semence, quand on la plante en terre, elle est morte, et en fait, justement, elle doit être morte, et quand on l'arrose et tout ça, bah après elle peut revivre, et pousser, et former une plante voilà, qui nous donnera des fruits, enfin bon... plein de choses. Et pour toi, dis-moi alors, qu'est-ce que c'est que ta définition de la renaissance ? Alors pour ma part, renaître, donc la renaissance, c'est renaître déjà à soi-même. C'est renaître dans sa lumière et offrir cette lumière aux autres. J'avais pas forcément vu ça comme ça. La renaissance pour moi c'est une énergie positive. Comme s'il y avait des circonstances difficiles et que nous pouvions... renaître, nous reconstruire, redevenir ou devenir des êtres de lumière. Et dans un sens, je te rejoins. Et pour moi, c'est vraiment cette énergie que nous avons en nous, cette énergie de vie, qui permet de renaître. Et dans la renaissance, je vois quelque chose de très positif. Quelque chose, un peu comme les saisons, une transformation positive. Une transformation vers un devenir positif. Alors, je te propose, Camille, pour mieux illustrer mes propos, de partager un poème avec vous. Eh bien, comme on dit chez moi, la parole est à toi. Le printemps est une promesse. Un espoir que tout renaisse. Qu'après la tempête autour du monde, se recrée une ronde. Cette ronde ferait le tour de la terre et rassemblerait tous les sœurs et frères. Le peuple de la terre serait alors éveillé et ne se laisserait plus alors de liberté privée. Le printemps serait dans nos cœurs chaque jour comme un acte d'amour. Par ce poème, je te fais la promesse que la vie renaîtra sous ses lettres de noblesse. Vous avez écouté la promesse. Dans ce poème, j'aime beaucoup l'idée de renaissance. Donc de renaissance, comme une saison qui renaît. Le printemps fait renaître les fleurs, le printemps fait renaître la vie. Et cette idée de renaissance de la liberté, à laquelle je suis très attachée. Et tu as bien raison, hein, la liberté c'est aussi ce que l'on veut transmettre ici sur Radio La Sentimelle. On veut que les gens se sentent libres, et quand ils écoutent nos émissions, j'espère que d'un côté ou d'un autre, ça puisse les libérer peut-être de certains maux ou de certaines préoccupations qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Alors justement, Camille, est-ce que tu aurais un poème à partager avec nous sur cette idée de renaissance ? Alors justement, alors c'est pas moi qui vais le dire, ce premier poème. Je vous propose, j'ai récupéré un poème d'une artiste qui va un peu dans le même sens que celui que tu viens de faire avec la promesse, puisque toi tu parles de la promesse en lien avec le printemps. Et elle va un petit peu dans cette même visée. C'est la poète Hassen Boufekroun qui va d'ailleurs nous lire son propre poème qui se nomme Renaissance. Donc je vous invite à le découvrir tout de suite. Hassen Boufekroun, poème
renaissance. Fini ton hiver, ô mon cœur, vois venir les couleurs des fleurs, vois refleurir ce chemin si accidenté, ardemment labouré par les eaux argentées. Regarde se revêtir l'arbre qui a été dénudé, reverdir prés, collines et jaunir le beau blé. Vois les blessures de la douleur s'effacer, les plaies rouges doucement se refermer. Le désespoir s'évanouit comme la brume qui meurt. Les regrets noirs s'évaporent ainsi que les rancœurs. La saison dure s'endort. La douce fait son aurore. Ah oui, c'est un très beau poème. Je vous propose de partir dans un interlude musical pour voyager au cœur de la poésie. Vous avez écouté Spring de Peter B. Eland, qui est comme cette renaissance du printemps, cette renaissance grâce à la nature, qui renaît de saison en saison et qui renaît surtout au printemps. Alors je te propose, Camille, de partager un poème d'un auteur que j'apprécie particulièrement. Je voudrais les prunelles closes, oublier, renaître. Et jouir.
de la nouveauté fleur des choses que l'âge fait évanouir. Je resaluerai la lumière, mais je déplierai lentement mon âme vierge et ma paupière pour savourer l'étonnement. Et je devinerai moi-même les secrets que nous apprenons. J'irai seule aux êtres que j'aime et je leur donnerai des noms, émerveillés des bleus abîmes où le vrai Dieu semble endormi. Je cacherai mes pleurs sublimes dans des vers sonnant l'infini. Et pour toi, mon premier poème, ô mon aimé, ô ma douleur, je briserai d'un cri suprême un vers frêle comme une fleur. Si pour nous il existe un monde où s'enchaînent de meilleurs jours, que sa face ne soit pas ronde, mais s'étende toujours, toujours, et que la beauté des apprises, par un continuel oubli, par une incessante surprise, nous fasse un bonheur accompli. Je vous ai lu ce très beau poème « Renaissance » de René-François Sully Prudhomme, grand homme de lettres français, et qui est d'ailleurs l'initiateur de la Société des poètes français. Alors avant de revenir sur ce poème, je voudrais rappeler à nos jeunes auditrices et nos jeunes auditeurs qu'il y a un magnifique concours de la Société des poètes français. Ah, c'est super ça. Un concours international jeunesse de la poésie francophone qui se déroule actuellement jusqu'en 2024. Donc que nos jeunes plumes prennent confiance en elles et qu'elles postulent sur ce concours. Alors toutes les informations sur le site de la Société des poètes français. Alors c'est vrai, qu'est-ce que tu penses de ce poème qui a mis Renaissance ? Bien écoute, c'est un peu difficile de dire ce que je pense de ce poème parce que c'est vraiment, je dirais presque un poème contemplatif. Je sais pas, c'est quelque chose que on a du mal à discerner. Je savais pas où il se trouvait exactement quand il présentait ce poème, mais en tout cas, il voit quelque chose de beau, de lumineux, quelque chose qu'on a envie d'atteindre hein. Quand on est au plus bas. C'est clair que c'est ce qu'on recherche. Donc, ouais, je ne sais pas du tout ce qu'il a voulu dire par là. On a presque l'impression qu'il y a une recréation. Je parle vraiment de la création telle qu'on l'entend dans la Bible. Je sais pas du tout. En fait, c'est un poème qui, en tout cas, moi, m'a touché. Mais j'ai du mal à me mettre à la place de l'auteur pour vraiment savoir ce qu'il a voulu transmettre comme image, ce qu'il avait au fond du cœur. C'est quelque chose qui lui est propre, j'ai l'impression. Alors, comme tous les poèmes de René-François Sully Prudhomme, ils émerveillent mon cœur. J'apprécie ce lien avec la nature, avec la beauté de la nature. Et c'est vrai, quelque chose de très subtil apparaît dans ce poème, où il est mis en avant que parfois nous ne regardons pas comme nous devrions regarder la vie. Nous ne portons pas ce regard de beauté. Et finalement, en portant un regard de beauté, nous pouvons admirer tous les présents que nous offre la vie. Et renaître, c'est réapprendre à chaque instant. C'est réapprendre à porter un regard positif à chaque instant de vie. Qu'est-ce que tu en penses, Camille ? Je pense que tu as complètement raison. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin... parce qu'on vit dans un monde troublé. Hein. On vit soi-même des difficultés, mais en même temps, autour de nous, on voit que l'environnement qui nous entoure est quand même aussi un petit peu en difficulté. Hein. Il suffit de voir les gens qui nous entourent, les situations politiques, écologiques et tout. On sent que bon, il y a quelque chose de pesant. Mais il est clair qu'il est nécessaire pour nous de vraiment avoir un changement de vision, un changement de regard, parce que si on reste sur le côté pessimiste des choses, je pense que rien n'évoluera jamais. Je pense qu'il faut se mettre dans le même état d'esprit que bon nombre de visionnaires, j'ai envie de dire. Alors moi, je vais prendre l'exemple de Martin Luther King. Pour lui, il est clair qu'il vivait une situation très difficile avec les Noirs qui se faisaient
m'être plus bas que terre. Hein. À l'époque, c'était vraiment la ségrégation, il y avait vraiment un racisme profond. Et pourtant, il n'a pas voulu rester dans cette optique-là. Il voulait vraiment que les choses changent, mais que les choses changent dans le meilleur, quoi, pour le mieux de chacun. Et en fait, dans toute situation, je pense qu'on doit essayer, en tout cas, de discerner les opportunités positives. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif comme changement que l'on peut même soi-même apporter. Alors c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup hein, de l'écologie, mais oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour donner un petit quelque chose de plus, quelque chose de meilleur pour la planète, quelque chose de meilleur pour celui qui m'entoure. On doit avoir ce regard positif. On doit avoir envie. Ça me fait penser à un film avec un petit garçon. Je vais t'avouer, je ne me rappelle plus du nom, mais où en fait le but c'était qu'il devait trouver un moyen de changer le monde, changer les choses. Et pour cela, ce qui était transmis, c'était que en aidant quelqu'un, eh bien après tu pousses celui-ci aussi à vouloir aider quelqu'un d'autre. Et il y avait comme une chaîne. Et en fait, on doit être un maillon de cette chaîne. On doit être un maillon de cette chaîne positive qui vise à améliorer le monde, améliorer les choses. Et je le conçois, il faut beaucoup de foi pour cela. Voilà pour ma réponse. Alors, je ne sais pas si tu as prévu autre chose. Alors, je vous propose de continuer avec un autre poème. Porté par le reflux des sèves, par ces paroles qui font l'été, par ces soleils gorgés d'écho, tu graviras cœur et sentier. Tu ne cesseras de renaître, taillant brèche et mots, dans la paroi des jours. Je vous ai lu un magnifique poème d'André Chédide, femme de lettres française. Il s'intitule « Renaître ». Comme tous ces poèmes, ils sont simples, profonds, remplis de sens, et ils nous invitent à poser un regard différent sur les situations de la vie. Il y a aussi beaucoup de courage dans les poèmes d'André Chédide. Camille, est-ce que tu aurais un poème à partager avec nous ? Alors oui, pour le coup, c'est moi qui vais m'y mettre et j'ai aussi un poème qui se nomme « Renaître », mais cette fois-ci de la poète Marsec, que j'ai particulièrement apprécié et que j'invite bien à nos auditeurs de prêter une oreille attentive. « Renaître ». La lampe bleue s'éveille au chevet de la nuit. Un rêve a chantonné sur des touches d'ivoire, un tourbillon de vent fait flamber la mémoire. Au foyer du passé, les regrets se déplient. Faut-il vivre l'instant ou plonger dans le gouffre, des regrets éternels sans cesse remués, rire et faire semblant alors que le cœur souffre et qu'à votre avenir s'annoncent les nuées. Au chagrin pernicieux, je veux tordre le cou, repousser les remords qui surgissent en nombre. Ouvrir grand la fenêtre à cet azur où joue un soleil radieux qui pourchasse les ombres. La lampe bleue s'éveille au sortir de la nuit. La rumeur des oiseaux devient plus péremptoire. Un nouveau jour est né, refoulant les ennuis, me donnant le désir de poursuivre l'histoire. C'est donc le poème de Marsec qui se nommait tout simplement « Renaître ». Ah oui, c'est un très beau poème. Alors je vais continuer cette danse avec un autre poème. Quand le soleil lave sa tête blonde, en l'océan, l'humide et noire nuit, un coin sommeil, un doux repos sans bruit, épand en l'air sur la terre et sous l'onde. Mais ce repos qui soulage le monde de ses travaux, est-ce qui me plume, me nuit? Et d'astres l'heure si grand nombre ne luit, que j'ai d'ennui et d'angoisse profonde. Puis quand le ciel de rougeur se colore, ce que je puis de plaisir concevoir semble renaître avec la belle aurore. Mais qui me fait tant de bien recevoir? Le doux espoir que j'ai de bientôt voir, qui la terre décore. Je vous ai lu « Quand le soleil lave sa tête blonde » de Joachim du Bellay. Alors Joachim du Bellay, c'est un poète que nous avons peu l'occasion de lire, et pourtant ses poèmes sont très beaux.
Et à ton avis, Camille, quelle époque pour Joachim du Bellay? Alors, pour être honnête, je le connais pas du tout. Je trouvais quand même que le texte en tant que tel était moderne dans la forme, la façon de formuler les phrases. C'était, disons, quelque chose où on n'avait pas des mots qui sont de l'ancien patois, ou etc. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que c'est assez ancien. C'est l'impression que ça m'a donné à l'écoute de ce poème. Je sais pas, moi je dirais les années 1600 peut-être. Alors, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Joachim du Bellay, c'est les années 1500. Donc en effet, ce sont des poèmes très anciens avec un écrit tout autant moderne que certains poètes de ces temps très anciens. Alors je vous propose de partir dans un voyage poétique au cœur de la musique. Je suis partie à la rencontre de mon âme et j'ai été éblouie par sa flamme. Elle m'apporte la lumière qui m'est tant nécessaire. Je prends conscience que je suis elle, alors que je pensais être uniquement mortelle. J'ai simplement changé d'habit et je renais dans le cycle infini de la vie. Alors, vous avez écouté Élévation, que j'ai eu le plaisir d'écrire, d'interpréter et de composer. Alors, je propose un autre poème. C'est une nuit d'été, nuit dont les vastes ailes font jaillir dans l'azur des milliers d'étincelles, qui, ravivant le ciel comme un miroir terni, permet à l'œil charmé d'en sonder l'infini. Nuit où le firmament dépouillé de nuages, de ce livre de feu, rouvre toutes les pages sur le dernier sommet des monts, d'où le regard, dans un trouble horizon, se répand au hasard. Je m'assieds en silence et laisse ma pensée flotter comme une mer où la lune est bercée. L'harmonieux éther, dans ses vagues d'azur, enveloppe les mondes d'un fluide plus pur. Leur contour qui l'éteint, leur cime qui l'efface, semble nager dans l'air et trembler dans l'espace, comme on voit jusqu'au fond d'une mer en repos. L'ombre de son rivage ondulée sous les flots, sous ce jour sans rayon, plus serein qu'une aurore, à l'œil contemplatif, la terre semble éclore. Elle déroule au loin ses horizons d'hiver, où se joua la main qui sculpta l'univers. Là, semblable à la vague, une colline ondule. Là, le coteau poursuit le coteau qui recule. Et le vallon voilé de verdoyants rideaux se creuse comme un lit pour l'ombre et pour les eaux. Ici s'étend la plaine, où comme sur la grève, la vague des épis s'abaisse et se relève. Là, pareil au serpent dont les nœuds sont rompus, le fleuve renouant ses flots interrompus, trace à son cours d'argent des méandres sans nombre, se perd sous la colline et reparaît dans l'ombre, comme un nuage noir, les profondes forêts d'une tache grisâtre ombragent les guérets. Et plus loin, où la plage en croissant se reploie, où le regard confus dans les vapeurs se noie, un golfe de la mer d'îles entrecoupées, de blancs reflets du ciel par la lune frappée. Comme un vaste miroir brisé sur la poussière, réfléchit dans l'obscur des fragments de lumière. Que le séjour de l'homme est divin, quand la nuit de la vie orageuse étouffe ainsi le bruit. Ce sommeil qui d'en haut tombe avec la rosée, ralentit le cours de la vie épuisée, semble planer aussi sur tous les éléments, et de tout ce qui vit calmer les battements. L'un silence pieux s'étend sur la nature, le fleuve a son éclat, mais n'a plus son murmure. Les chemins sont déserts, les chaumières sans voix. Nulle feuille ne tremble à la voûte des bois. Et la mer elle-même, expirant sur sa rive, roule à peine à la plage une lame plaintive. On dirait, en voyant, ce monde sans écho, où l'oreille jouit d'un magique repos, où tout est majesté,
crépuscule, silence, et dont le regard seul atteste l'existence, que l'on contemple en songe à travers le passé, le fantôme d'un monde où la vie a cessé, seulement dans les troncs des pins, aux larges cimes, dont les groupes épars croissent sur ces abîmes, la laine de la nuit, qui se brise parfois, répand de loin en loin d'harmonieuses voix, comme pour attester, dans leurs cimes sonores, que ce monde assoupi palpite et vit encore. Un monde est assoupi sous la voûte des cieux, mais dans la voûte même où s'élèvent mes yeux. Que de mondes nouveaux, que de soleils sans nombre, trahis par leur splendeur, étincelles dans l'ombre. Les signes épuisés s'usent à les compter, et l'âme infatigable hélas d'y monter. Les siècles accusant leur alphabet stérile de ces astres sans fin, non nommés qu'un sur mille. Que dis-je? Au bord des cieux, ils n'ont vu qu'ondoyer les mourantes lueurs de ce lointain foyer. Là l'antique Orion des nuits, perçant les voiles, dont Job a le premier nommé les sept étoiles. Le navire fendant les terres silencieux, le bouvier dont le char se traîne dans les cieux, la lyre aux cordes d'or, le cygne aux blanches ailes, le coursier qui du ciel tire des étincelles, la balance inclinant son bassin incertain, des blonds cheveux livrés au souffle du matin, tout ce que les héros voulaient éterniser, tout ce que les amants ont pu diviniser, transporté dans le ciel par de touchants emblèmes, n'a pu donner des noms à ces brillants systèmes. Les cieux pour les mortels sont un livre entrouvert, ligne à ligne, à leurs yeux par la nature offert. Chaque siècle avec peine en déchiffre une page. Mais réjouissons-nous, car notre maître est grand. Flottez soleil des nuits. Illuminez les sphères. Bourdonnez sous votre herbe, insectes éphémères. Rendons gloire là-haut et dans nos profondeurs. Vous par votre néant, et vous par vos grandeurs, et toi par ta pensée, homme. Grandeur suprême, miroir qu'il a créé pour s'admirer lui-même. Écho que dans son œuvre il a si loin jeté, afin que son saint nom fût partout répété. Que cette humilité qui devant lui m'abaisse soit un sublime hommage et non une tristesse. Et que sa volonté trop haute pour nos yeux soit faite sur la terre ainsi que dans les cieux. Je vous ai lu ce magnifique poème. Alors, je vous en ai lu qu'un extrait, même s'il semble très long. N'est-ce pas, Camille ? Oui, c'est pas faux. J'ai cru que ça allait être une véritable histoire. L'infini dans les cieux. Magnifique poème d'Alphonse de Lamartine. Alors, Alphonse de Lamartine, grand poète français, que j'admire pour son écriture qui est à la fois profonde, pleine de poésie, de spiritualité, de vérité, que j'aime lire, que j'aime pouvoir écouter, qui est vraiment rempli d'amour, de joie et de beauté. Qu'est-ce que tu penses de ce poème, Camille ? Bien, ce poème me rappelle qu'on est tout petit face à l'immensité de l'univers qui nous entoure. C'est-à-dire que quand on regarde le ciel, les étoiles, ces constellations, quand on pense en fait à ce petit grain de poussière qu'est la Terre, au final, au milieu de tout cet amas, c'est vrai qu'on se sent tout petit et on se dit qu'on est devant quelque chose de vraiment très grand. Et ça pousse à l'admiration, ça pousse à la contemplation d'un certain point de vue. En tout cas, moi, ça me parle dans le sens où quand je regarde au ciel, forcément, je vois le divin et tout ce qu'il a fait, quoi. Et quand je regarde aussi sur cette terre, hein, c'est tout ce qu'il y a, toute cette création, forcément, ça m'émeut d'une certaine manière. Donc ouais, ce poème est très très beau, parce que c'est vrai que quand on regarde à l'immensité des cieux, pour moi en tout cas, ça pousse à la réflexion. Ah oui, en effet. Et pour la suite du programme, j'avais envie de rester un peu dans le thème de renaissance, avec un poème de Jean-Pierre Siméon, qui se nomme Renaître et qui est interprété par Loubna Chebouti, qui fait partie de la compagnie Rouletabille, une compagnie théâtrale. Certains soirs on s'endort comme une pierre lasse, cernée par le malheur. Et
l'on voudrait s'oublier, sous l'eau très lente du sommeil. On tire un drap sur son front pour se cacher du monde. On ne veut ni le rêve, ni l'ombre, ni l'œil têtu d'une lampe. Surtout ne pas sentir la peur qui nous marche sur le ventre comme un chat. Et l'on s'éveille au matin, un soleil entre les doigts. C'est un magnifique poème. Alors je propose que nous partions dans un voyage poétique au cœur des étoiles. Thank you.
Vous avez écouté Flying de Peter B. Eland. Quelle belle manière de s'envoler dans les étoiles, s'envoler dans l'infini des cieux, l'infini du ciel. Après ce poème d'Alphonse de Lamartine, Camille, souhaites-tu partager avec nous un autre poème avant de nous dire au revoir? Alors, pour l'occasion, je vais même en proposer deux. Je vais en proposer un premier qui est en fait une demande de Jean-Paul Baudouin qui nous a proposé un poème à lire à nos auditeurs aujourd'hui. Un poème de Pierre Ronsard qui se nomme « Amour me tue et si je ne veux dire ». Je vous propose d'écouter ce poème et on poursuivra après avec un poème de ma sélection. « Amour me tue et si je ne veux dire, le plaisant mal que se met de mourir. Tant j'ai grand peur qu'on veuille secourir le mal par qui doucement je soupire. Il est bien vrai que ma langue désire qu'avec le temps je me puisse guérir, mais je ne veux, madame, requérir pour ma santé tant me plaît mon martyre. Tais-toi, langueur, je sens venir le jour que ma maîtresse, après si long séjour, voyant le soin qui ronge ma pensée, toute une nuit, folâtrement m'ayant, entre ses bras prodigue ira payant les intérêts de ma peine avancée. » Alors là, on voit bien, on ressent bien, l'ancien français, la façon de formuler les phrases. Et j'ai voulu vérifier, effectivement, Pierre de Ronsard est né dans les années 1500 également. Et lui, il n'a pas employé un langage vraiment moderne, il est resté sur une, disons, des vers de son époque, je dirais, de la façon de prononcer. Et c'est marrant parce que ce genre de vers, en tout cas moi, j'arrive pas à les dire avec une certaine émotion, je suis obligé de les presque les surjouer, c'est comme si c'était du théâtre, c'est particulier. Enfin bref, je vais maintenant vous proposer mon dernier poème. Un poème qui, quand je l'ai vu, m'a fait penser au fameux phénix dont je vous parlais en début d'émission, le fameux phénix qui lui aussi renaît de ses cendres. Et d'ailleurs, ce poème se nomme tout simplement « Renaître de ses cendres ». Et c'est un poème de Nashmia Noor Mohammed. Donc on va l'écouter tout de suite, je vais essayer de bien le dire. Donc là, on est sur un poème plus moderne, donc j'aurai peut-être plus d'aisance dans la façon de l'exprimer. Renaître de ses cendres. Après le feu, les flammes, la passion, après les braises, les larmes, la raison, restent à la fin les cendres, les débris. Après le printemps et les jolis bourgeons, après l'été et les fleurs et fruits de saison, arrive à la fin le froid, l'automne et l'hiver. De la poussière qu'on répand sur la terre, derrière les bois noirs de givre et de sève, la vie sous-jacente demeure en latence. De l'amour qui nous a traversé un jour, derrière l'indifférence de la séparation, le cœur averti bat en silence, au ralenti. Un nouveau cycle, une nouvelle saison, un nouvel amour, une nouvelle relation. La vie reprend ses droits. Le cœur suit. Sur le tronc, les cicatrices l'ayant marqué, l'arbre vert refleurit, plus beau et plus fort. Dans la mémoire, le souvenir des déboires, les émus amoureux s'aiment plus encore. Nashmia Noor Mohammed, avec ce titre, Renaître de cette cendre, donc j'espère que vous avez apprécié ce poème qui va clôturer cette émission. Je te remercie infiniment d'avoir choisi ce poème, Camille. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Nous aimerions tellement être là longtemps avec vous. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est vrai, et c'est d'ailleurs toujours triste aussi de vous quitter. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème. Et nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois, et donc le prochain mercredi, ce sera le mercredi 25 octobre à 17h. Et ce sera sur le thème des mots. Des mots M-O-T-S, des mots M-A-U-X. Bref, si vous avez envie de nous partager un poème,
N'hésitez pas à nous l'envoyer. On rappelle que vous pouvez donc nous envoyer vos poèmes à l'adresse 56 rue Pierre Renaudel à Rouen et on se fera un plaisir de les lire. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines. Très belle semaine à tous. Et pour clôturer cette émission en musique, comme on a l'habitude de le faire, d'habitude on emploie de la chanson française, pop ou variété, etc. Pour une fois, eh bien, j'ai décidé que ça allait changer. Pour aujourd'hui, on aura un titre de jazz, un titre qui se nomme tout simplement Renaissance, pour être dans le thème, un titre de Louis Matute. Donc profitez bien de ce moment musical et nous on se dit à la prochaine.
Vous cherchez un remède contre le stress? Écoutez RLS.